Depuis la nuit des temps, les hommes n'ont jamais cessé de travailler, de créer, d'innover afin d'optimiser leur façon de faire, de perfectionner leur savoir et de réaliser des gains d'efficacité. Nous avons pris un petit exemple de ces façons que les grands-parents nous ont utilisé pour communiquer, rester connectés avec les familles, les amis, comparativement avec nous-mêmes aujourd'hui, qui n'ont pas l'objet d'outils qui facilitent nous communiquer plus rapide, plus flexible, etc. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un système qui fait partie de l'évolution Sahara. Et qui connectait plusieurs institutions dans le monde à travers plusieurs pays. Et bien, juste avant de continuer, la petite pause et la tourne après. Tourner après pour ça. Le système, ça a fait le découvrir aujourd'hui, c'est Swift. Alors, ce n'est pas Swift qui est le langage de programmation, mais vous le faites pour développer l'application pour iPhone, iPad, MacOS. Alors, Swift, ça, c'est un système de messagerie qui connecte plusieurs institutions maintenant à travers plusieurs pays. Bien, juste avant que nous regardions le système, ça, moi, je voulais essayer d'expliquer nous, de façon générale, comment transférer l'argent fait d'une banque à une banque. Alors, la banque propose deux façons, qui sont virement interne et virement externe. Virement interne, c'est lorsque nous avons deux banques qui se mettent. C'est-à-dire, moi, j'ai un monde qui est en BNC, qui a voyé encore pour l'autre monde qui est en BNC. C'est-à-dire, compte eux-mêmes. Là, ça, nous parlons de virement interne. Pour virement externe, c'est lorsque nous avons deux banques différentes. Par exemple, un monde qui est dans BNC et qui a besoin de faire un compte pour un monde qui est dans Unibank. Mais on essaie de regarder comment le processus est lorsque c'est virement interne et virement externe. Et dans le virement interne, c'est même simple. Okay? Par exemple, Junior a besoin de faire 100 dollars pour Jonathan. Par exemple, deux mondes qui sont dans BNC, qui ont un compte dans BNC. Junior juste prend un computer et puis fait transfert et puis l'aller automatique. Et que le système a mis à jour tous les deux comptes. Okay? Mais il y a deux mots qui veulent attirer l'attention, qui sont crédité, débité. Alors, nous parlons de débiter, c'est lorsque les gens qui voient l'argent, ok, les gens qui voient l'argent, c'est-à-dire la quantité que vous voulez aller débiter sous compte. Et les gens qui recevoir l'argent, les mêmes comptes, comme ça, les gens qui créditer compte. Ok, nous avons regardé le virement externe. Alors, c'est là que nous avons compliqué. Alors, il y a deux alternatives dans le virement externe. On regarde la première alternative. Par exemple, nous avons John avec Alice. C'est deux mondes différents. Chaque monde a un compte en banque dans deux banques différentes qui sont Sojibank et BUH. John a un compte en banque la caisse Sojibank, Alice a un compte en banque la caisse BUH. Eh bien, on nous suppose que John a besoin de 1000 gouttes par Alice. Eh bien, comme étant donné que c'est deux banques différentes, comment le processus va passer? Pour ça, Sojibank a besoin d'un compte commercial BUH la caisse et BUH a besoin d'un compte commercial Sojibank la caisse. On regarde en toi. Façon, comment ça va le passer? Sojibank débitera le compte personnel de John de 1000 gouttes. C'est-à-dire que l'on parle de débitera, c'est-à-dire la retirer sous compte mon cap voya. Sojibank débitera le compte personnel de John de 1000 gouttes. Ensuite, la banque de John, c'est-à-dire Sojibank, côté comme la Sotia, créditera le compte commercial de la banque BUH détenue chez Sojibank. Eh bien, étant donné que BUH a un compte commercial, la caisse Sojibank, 1000 gouttes ça, Sojibank finit de tirer sous compte John, sous compte personnel John, la mettez sous compte commercial BUH. Là. Et puis ensuite, quand il y a la même, BUH peut prendre comme ça et puis mettez sous compte personnel Alice. Ça, c'est son premier scénario. On regarde qu'on a pour le deuxième scénario. L'alternative dans le virement extérieur, on regarde une deuxième alternative dans le virement extérieur. Alors, dans le premier cas, tous les deux banques ça, ils ont une relation commerciale, c'est-à-dire Sojibank, BUH. Mais et si tous les deux banques ne sont pas en relation commerciale? Mais c'est là qu'on a besoin de banque intermédiaire. Alors, banque intermédiaire, c'est lui-même qui est la banque centrale. Je vous rappelle, nous, chaque pays dans le monde, c'est la banque centrale. La banque centrale, elle est là pour contrôler, réguler le système financier dans un pays. Eh bien, on regarde comment le processus est lié dans le cas. Première étape, la banque Sojibank débite le compte personnel de John de 1000 gouttes. Okay? John qui besoin d'envoyer Alice, qui besoin d'envoyer 1000 gouttes à Alice, mais Sojibank a retiré 1000 gouttes sur compte John. Les Sojibank finit de retirer 1000 gouttes sous compte John. Sojibank a demandé à la banque centrale okay, pour retirer 1000 gouttes sous compte lui, c'est-à-dire sous compte banque. Quand la banque centrale finit de retirer 1000 gouttes sous compte Sojibank, la met-elle sous compte BUH. Quand la banque centrale sous compte BUH, la BUH lui-même la met-elle sous compte Alice. Vous comprenez les nuances là? Premièrement, Sojibank a retiré 1000 gouttes sous compte John, sous compte personnel John. Et ensuite, Sojibank a demandé à la banque centrale pour retirer 1000 gouttes sous compte pour mettre 1000 gouttes sous compte BUH. Et puis ensuite, comme on a comme la liste sous compte BUH, BUH a pris comme ça, il met sous compte personnel Alice. Donc, ce qui fait en trois étapes, c'est un processus qui fait en trois étapes.
côté que ni Sogebank ni BUIH pas de pièces de relation commerciale. Ah ben, comme étant donné que Banque Centrale lui-même, c'est lui-même qui contrôle le système financier, c'est lui qui contrôle toute banque la CAI, donc il gère ce processus-là. Mais tout ce n'est pas ça on a fait, pourquoi ça on a fait, parce que ce n'est pas l'objectif vidéo à ça. Ah ben, tout ça que nous avons parlé, c'était dans le cas virement national, c'est dans le pays. Et si qu'on y a, moi en Haïti, je contacte un fournisseur qui est en Chine, moi j'ai besoin de payer fournisseur. Comment on va faire ça? Comment ça va le passer? Comment le processus va aller? Eh bien, c'est qu'on y a suivre quand on met des bouches dans la cause. On suit qui ça qui suit, on a le découvert ensemble. Qui ça suffit? SWIFT, c'est l'acronyme Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Système si là, tu as pris naissance dans l'année 1973, côté 239 banques dans 15 gros pays, tu es réunis ensemble dans la capitale pays Belgique, c'est Bruxelles, pour te faire mettre le système ça sous. Principale fonction du système si là, c'est jouer le réseau entre plusieurs banques dans le monde là pour commencer le processus paiement. C'est un service de messagerie qui est niveau et standard, sécurisé et qui rapide en plus. Principal client système SWIFT, c'est banques, sociétés de coûtage, organisations de compensation et des bourses d'échange dans tout le monde là. Actuellement, il y a 11 000 institutions dans plus de 200 pays qui connectent ce système ça. SWIFT a une capacité pour recevoir 500 messages par seconde. En 2021, il y a 42 000 messages dépassés sous. Le système SWIFT, regardez qui est de renaissance, qui est de renaissance, qui problème, qui solution qui est votée avec le problème qui à l'époque. Et on a essayé de garder le fonctionnement SWIFT. Alors pour nous comprendre le fonctionnement SWIFT, nous sommes capables de faire une différence entre deux codes. C'est code SWIFT, code SWIFT. Et ça peut relier code IBAN. IBAN code. IBAN code. Ok? Vous avez défini ce soir déjà. Qui ça IBAN là lui-même? IBAN là son acronyme qui signifie International Bank Account Number. Qui différence qui gagne? Ok? Code SWIFT lui-même, c'est chaque banque dans le monde là qui a créé un code SWIFT. Ok? Chaque banque dans le monde là qui a créé un code SWIFT. Tandis que IBAN dans lui-même, c'est chaque monde qui est en dedans. C'est-à-dire que chaque monde qui a un compte dans la banque, il s'accueille en code IBAN. Donc c'est ça. Alors, comment on fonctionne? Moi, en Haïti, je vais acheter un bagage qui est la Chine. Et pour moi, il y a deux cas. Il y a deux cas. Côté que la banque qui est en Haïti a une relation commerciale, c'est-à-dire une relation directe avec une banque qui est la Chine. Et pour moi, ça m'a fait, je vais envoyer un message sur le système chiffrant. Le système chiffrant lui-même, il garde si la banque qui est en Chine a une relation pour. Une fois que le message l'a reçu, il connecte en fait. Si vous n'avez pas de relation, c'est-à-dire que pas de relation directe entre la banque Haïti avec la banque la Chine, suivez pas chercher une banque qui est en relation avec moi, avec la banque Haïti, et même banque Sato qui est en relation avec la banque la Chine, et puis le connecte. C'est presque, je suis capable de dire, ça qu'on a pris les relations de transit. Ça n'est qu'on fait dans l'algèbre linéaire que les relations de transitivité. X en relation à Y, Y en relation à Z, ça va l'impliquer que X en relation à Z. C'est presque le même exemple. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple encore, qui c'est agence immobilière. Qui est-ce qu'on agence immobilière? Une agence immobilière, c'est une institution ou bien c'est un bureau côté que, qui cherche un paquet d'informations de l'encaille, caractéristiques, et puis l'icampé. Il n'y a pas de caille, sauf qu'il cherche l'information de caille, il mette dans une base de données. Il y a un monde venu. On m'a fini, il dit bon, moi j'ai tel cas qui a telle caractéristique. Et puis, qui ça le fait? Il allait dans la base de données et puis il cherche un cas qui en relation avec qui semblait avec sa, mon, sa client mandé, ou sa locataire l'a mandé. Une fois que le locataire l'a fait, il fait un cas besoin. L'agence immobilière est connectée avec Maître Kaila. Ok, il est connecté avec Maître Kaila et puis maintenant il achète Kaila ou bien il loue Kaila. C'est presque le même bagage là. Ou bien tout le pour exemple, dans le marketplace. Marketplace son espace côté que vous mettez des produits sur lui, ok, il y a un paquet de monde qui sont lits. Une fois que mon Noël lit écrit, vous répondez et puis négociation faite, après ça, mon paye. C'est presque le même exemple. Donc, suivre son système intermédiaire, son système qui campe lui-même, qui a essayé de connecter plusieurs banques ou plusieurs institutions à travers plusieurs pays dans le monde. Pour ce qui a des avantages et solutions, ça, qui s'est suivre des côtés par rapport avec le problème qui est là. Mais cependant, il y a des inconvénients. Parce que normalement, SWIFT a lui-même son système capturé par un conseil de pays. Donc, à n'importe quel moment, on va retirer sous lui. Donc, une fois que vous retirez sous lui, donc, négociation qui est en cours, ou bien, que tu as fait dans un pays avec l'autre. Donc, tout contrat peut-être qui est en juin, c'est via moyen ça que tu as passé pour être capable de faire ou joindre les paiements, tout ça. Ou ça, c'est pas perdu. Donc, on va faire un peu de perte, déficit, tout ça. Mais c'est ça qui fait une autre alternative. Tu as supposé une accélération dans ce qu'on a appelé les crypto-monnaies et les monnaies digitales. Parce que à n'importe quel moment, on va y avoir ça arrivé, on va bien faire ce problème parce qu'on a une autre alternative. L'autre pays, ça a négocié ensemble avec
modèles ça donc qui capable faciliter les transactions en fait donc moi sans vous c'est ça que et garder la vidéo de via garder ça interne externe garder système de flac qui s'allie font une différence entre code suivre code de banque tout ça donc non pas si donc je n'attends l'expérience son plaisir pour que vous vidéos ça donc abonnez partagez